Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ça fait un moment, je sais, mais ça fait un moment aussi, on n'avait pas de grosses infos sur le jeu. Et aujourd'hui, on a été entendu. Donc ça fait super plaisir. On a eu pas mal d'infos qui sont tombées. Et notamment le live 1.5 qui va arriver du coup l'après-midi où je posterai cette vidéo. Alors, le live en chinois sera disponible à 14h et celui en anglais à 18h. Pour l'occasion, je couvrirai l'événement sur Twitch. On démarre à 13h45, donc n'hésitez pas à cliquer dans la description sur le Twitch. C'est MOHASMT. Bon, c'est un peu dommage parce que avant le live était à 13h. Maintenant, vu qu'on est passé à l'heure d'été, c'est 14h. Donc, bon, je travaille en même temps, mais vous connaissez le télétravail le vendredi. Pour l'occasion, je serai accompagné de Polia, ça sera super cool. Donc, le lien est dans la description, MOHASMT, venez, ça fait plaisir, 13h45. Et d'ailleurs, pour ce qui est des lives journaliers, donc parce que vous savez que tous les jours, on est sur Twitch, au lieu de 19h30, ce mois-ci, ça sera 18h30. On peut maintenant démarrer, du coup, sur les petites infos. Alors, premièrement, des primogèmes à récupérer, hein. Pas grand chose à dire à part que l'événement des merveilleuses marchandises revient. Vous savez, il faut échanger certains items aux marchands pour récupérer des primos et quelques récompenses. En 300-360 primos à récupérer à ce niveau-là. Donc ça fait toujours plaisir. Ça commencera le jour où je posterai cette vidéo jusqu'au 23 avril. Donc allez-y, c'est gratuit, c'est facile à faire, ça fait plaisir, c'est léger. Pour ce qui est du live, du coup, maintenant, comme vous le voyez, on a Zhongli qui est à gauche. Et donc, le mystérieux nouveau perso 5 étoiles à droite, qui a l'air d'être une fille aux cheveux bleus. Donc, première info, rerun de Zhongli, Zhongli qui était déjà sorti pour la version 1.1 en compagnie de Tartaglia. Alors, c'est un perso clairement excellent. À l'époque, il avait tout simplement subi un nerf par rapport à la bêta, et puis on l'aurait par la suite. Je vous rappelle, il a un bouclier qui est juste monstrueux, qui protège avec énormément de montants vos personnages. Et en plus de ça, il permet de baisser la résistance des adversaires de 20%. Ce perso est vraiment incroyable, il a un ultimate qui inflige beaucoup de dégâts en fonction des PV pour cent en plus, et il permet de pétrifier l'adversaire, donc comme un gel, pendant plusieurs secondes. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'il faut invoquer sur Zhongli ou non, clairement, si vous avez les primogèmes, je pense que c'est un des rares persos, je vous dirais qu'il faut foncer pour l'avoir, parce que c'est un perso qui, je pense, même dans un an et demi, deux ans, sera toujours aussi incroyable. Maintenant, on va avoir un deuxième nouveau perso, donc ce personnage mystérieux. Alors là, ça fait plaisir parce que déjà, on a une nouvelle bannière. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on avait des reruns. Hein. On avait eu du coup Vanchi et Tartaglia. Juste avant, on avait eu Yutao, mais qui n'avait pas été annoncé. Et puis, on avait eu Kuching. Donc là, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. On va avoir aussi un nouveau 4 étoiles, forcément, qui sera sur la bannière à deux Zhongli. Donc, j'attends ça avec impatience. Ça va être super cool. Ça me re-hype à nouveau parce que ça faisait un moment que j'attendais pas mal de communication de leur part. Sachant que, pour l'instant, on n'avait que des reruns, on ne savait pas qu'on allait avoir de nouvelles zones, etc. On verra cet après-midi pour le reste des infos. On a aussi des infos super croustillantes au niveau, tout simplement, des questions-réponses. Donc, je vais vous les résumer simplement, hein. Ça va être super simple. Je vous mettrai dans la description si vous voulez les lire en détail. Donc, premièrement, on va avoir tout simplement une baisse de résine au niveau des boss hebdomadaires. Donc, les boss qu'on fait toutes les semaines, qui sont Tartaglia, le Loup du Nord ou encore Storm Terror. Là, ce n'est pas précisé, mais des infos qu'on a, normalement, ça devrait baisser de moitié. Donc, au lieu de 60 résines, ça sera 30, ce qui est très bien, puisque ça commençait à faire beaucoup. Ça fait 90 résines d'économiser dans la semaine. Et en plus de ça, s'il y aurait eu des ajouts de boss hebdomadaires au fur et à mesure du jeu, au bout d'un moment, c'était juste intenable au niveau de la résine. Donc, très bonne chose. On va avoir aussi, tout simplement, un up de la visée au niveau des mobiles. Donc, ça va être amélioré. Ce qui va être très bien, puisque je sais que pour ceux qui étaient sur mobile, c'était très compliqué de viser à l'arc. On va avoir un petit ajout au niveau du craft. Donc lorsqu'on craft, on va avoir tout simplement en bas le détail de l'item qu'on craft. On va savoir combien on en a dans notre inventaire. Ça évitera de revenir pour, sachant que si on veut, par exemple, 12 exemplaires d'un objet, si on craft et on oublie si on en a 11 ou 12, qu'on revienne, etc. Bon, un ajout assez sympa, rien de plus à dire à ce niveau-là. Par contre, ce qui va être super intéressant, ça va être pour pour la protection, en fait. Il y a une petite question, donc au niveau de la protection, et vous savez très bien que Genshin, en ce moment, il y a une grosse question de sécurité, donc au niveau du jeu. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait hacker, énormément, c'était quand même assez scandaleux clairement, et on a demandé à maintes reprises d'avoir une authentification un peu plus costaud, par exemple la double authentification qui est utilisée sur pas mal de plateformes, hein, qui est tout simplement vous recevez un code SMS ou quelque chose dans le genre, et du coup ils ont dit qu'ils sont à l'écoute et que clairement ils vont renforcer ça. Donc on pense à une authentification à double facteur, que ça soit un mail ou un message, on verra bien. Mais c'est une bonne chose qu'ils prennent ça en compte parce que clairement ça pouvait pas continuer comme ça. Et je pense que
Personne en fait n'était à l'abri, on pouvait tous se faire hack. Et là, c'est une nouveauté qui fait bien plaisir. Donc, un petit fix bug qui tout simplement concerne tout ce qui est la statue des 7. Il y a une statue des 7 qui buguait en fonction de la connexion des gens. Donc là, ils vont dire que tout ça, ça sera tout simplement corrigé. Donc voilà pour ce qui est des annonces. Maintenant, je voudrais vous parler quelque peu de tout ce qui est ce qu'on a eu récemment en fait, hein, au niveau de la version 1.4. Donc notamment des events. Donc l'event de l'Océanide par exemple. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Les récompenses étaient excellentes, clairement. Les récompenses étaient excellentes. On pouvait récupérer 30-40% d'XP en plus par rapport à une fleur basique. Pour ce qui est de la façon dont c'était amené, c'était super cool. Pourquoi? Parce qu'on avait tout simplement le choix entre user soit de la résine, soit des larmes. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais c'était des espèces de gouttes d'eau qu'on pouvait utiliser pour faire un run à la place d'utiliser 40 résines. Et on en avait 4-5 à récupérer. Donc ça c'est super bien parce que c'est un event qui était gratuit de base et qu'on pouvait renforcer du coup en mettant de la résine. Donc ça c'est très bien parce que ceux qui avaient besoin de farmer plus d'XP pouvaient clairement mettre plus de résine. Et ceux qui ne voulaient pas pouvaient juste utiliser les tentatives gratuites. Donc à ce niveau là, pas de problème. Au niveau de l'event en lui-même, je l'ai trouvé un peu répétitif. Donc au niveau de l'Océanide, pourquoi? Parce que c'était tout le temps les mêmes schémas d'attaque, moi, et bien sûr c'est mon avis de façon tout le temps que je vous donne, hein, c'est moi comment je ressens les choses, je sais qu'on a tous une façon d'aborder les choses qui nous est propre, et personnellement c'est vrai que pour moi je pense qu'il y avait beaucoup de temps mort, donc notamment quand il y avait les créatures d'eau sur le terrain, etc. Et ça me... ça cassait un peu le rythme, et c'est pas le genre de combat que j'affectionne, voilà, c'est pas le genre de combat que j'affectionne, une, deux fois, trois fois ça va, mais après je trouvais ça un peu répétitif. Je préfère carrément l'arène où on se battait contre des gros monstres sans restriction, on faisait nos combos élémentaires, etc. C'était super. Alors que là, l'Océanide, on pouvait pas mettre construction. Tout ce qui était personnage Vanchi, par exemple, servait à rien dans le sens où tout ce qui est combo élémentaire, bah, c'était surtout de jouer Cryo, en fait, pour les geler et pour les taper derrière. Couplé au temps mort, on pouvait pas taper l'Océanide. Moi, j'ai pas trouvé ça incroyable au niveau du gameplay. Après, l'event restait excellent au niveau des récompenses. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Maintenant, je voudrais vous parler d'une chose, c'est tout simplement MiYoYo qui a révélé récemment qu'il partait plutôt sur 12 ans. Donc ils avaient un calendrier qui partait sur 5 ans à la base. Le jeu devait durer 5 ans en fait. Ils avaient prévu un calendrier pour 5 ans et l'ont tout simplement étendu à 12 ans. Donc 12 ans ça paraît énorme clairement et ça l'est. On sait même pas dans un an on sera où ou dans 2 ans hein. C'est assez incroyable. Après, vu la popularité du jeu qui a eu 1 milliard de revenus en 6 mois, qui a été le premier jeu mobile à le faire, c'est clairement pas une décision qui a été qui est débile tout simplement, hein. Ils savent ce qu'ils font et c'est parce que le jeu est aussi prolifique qu'ils le font. Maintenant, ce que je me demande par contre, c'est qu'il y avait déjà un calendrier de base qui était établi, donc pour 5 ans. Est-ce que ce calendrier il a été étendu pour 12 ans mais avec des zones supplémentaires ou pas? Parce que si les zones qui étaient préparées pour 5 ans sont étendus au 12, ça va clairement pas le faire. C'est peut-être la raison actuellement pour laquelle on n'a pas eu de zone depuis un moment. Alors je ne sais pas, hein, je ne travaille pas chez MiYoYo, mais je me pose des questions et je me dis, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle on a eu un petit ralentissement au niveau des sorties et on a eu un petit coup de mou là avec les deux reruns. Bon, après les périodes de vide, il y en a tout le temps dans les gachas, vous le savez, je le sais. Maintenant, c'est vrai que ça a duré quand même un mois et demi, ce qui est quand même assez costaud et j'en attends beaucoup de la version qui va sortir. Très important, encore des primogèmes à récupérer sur le live. Donc il y aura des codes qui vont sortir. Comme d'hab, code primogème, 300 primo à récupérer. Ce qui est quand même pas mal du tout. Donc il faudra regarder le live. Je ne pourrai pas vous faire de vidéo le jour même parce que je travaille le jour même. Hein. Et ma vidéo sortira je pense le samedi ou le dimanche où je récapitulerai tout ça. Et puis voilà, soyez bien à l'affût pour récupérer ces codes-là. Et je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce dont on devait parler. Sur ce, je vous dis tout simplement à cet après-midi, 13h45 sur le live Twitch. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao, à la prochaine.